l'intersport, ils ont en musique. L'Innoval a aussi vu le jeu, puisqu'il y a des gens qui sont venus à Mestan. Malheureusement, on n'a pas vu leur représentant là à l'arbitre du chèque, mais bon, on essaiera de rattraper le tir avec eux. Donc, mais là, on a l'occasion de vous offrir ce verre pour clôturer cette animation. Donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui a rapporté à peu près 1400 euros de dons vers le Téléthon. Alors, je dis à peu près parce que tous les comptes ne sont pas tout à fait fermes. Il y a la vente des nounours, par exemple, qui va falloir comptabiliser. Et aussi les dons qu'on a reçus en termes de dons libres. On va faire le cumul de tous les kilomètres parcourus, puisque dans le cas du Téléthon, il y a l'opération, le maximum de kilomètres fait dans le cas du Téléthon. Donc tout ce qui était fait, je crois, à pied, en vélo, en rameur, tout ça est comptabilisé au niveau national. Donc tout va y participer, même le plus petit du ramé, on va être comptabilisé. Et ça va permettre de donner d'ampleur un petit peu, en espérant que les dons au niveau national soient à la hauteur de l'événement. Je pense que nous serons vu les dernières informations. Donc voilà, mais encore merci à tous les participants, merci à Dominique qui a monté l'opération en compagnie de Patrice Cessa. Pour sa partie organisationnelle, la partie sportive c'était Patrice, il est parti parce qu'il a une heure de route, donc c'est fatigué, il a passé la nuit. Donc on pourra le remercier. Et l'idée de M. Marchand de conserver le chèque jusqu'à notre salle d'art l'année prochaine, c'est une bonne idée, ça permettra de mettre en valeur aussi. Voilà, mais moi je vais vous applaudir tous, parce que vous méritez. Alors, au nom de la FF, le chèque, la FF des fonds, un grand merci à tous, parce que de partout, des cinémas et des salles, nous pouvons vous remercier pour vraiment aider dans ces actions. Voilà, encore merci pour le bureau, 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 le